Et nous allons recevoir ce soir dans l'émission, on a beaucoup de chance, plusieurs invités. Et je crois que nous avons Thomas Njijol qui est avec nous ce soir. Ouais, salut bande d'enfoirés. Non, merci de m'inviter, franchement ça me fait vraiment plaisir d'être là. Putain, en plus il y a mon pote Julien. Putain l'enfoiré, il est bon. On peut applaudir Thomas Njijol. Je crois qu'on a également François Damiens qui est là, qui est présent. Oh là là. Bonjour, bonjour. Bon alors, j'avais étudié à côté qui est plutôt pas mal, hein. Merci. Bah écoutez, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là, merci. Hein. Ouais, j'ai quand même une de mes idoles en face de moi. Je pense en face de toi surtout, Baptiste. Non mais tu te rends pas compte le culte que je voue à François Damien. C'est si tôt tu fais cette imitation, c'est trop pour moi. Bravo. Et je crois qu'on est deux. J'aime énormément ce mec. Quoi. Il est un génie. Tout par cœur. Tu me sors n'importe quel prank de détails. Je te sors tout par cœur. Bah, quand il fait attends, on va faire un jeu. Rappelle-toi ce mot. C'est délicat. Ah oui. Ouais, non, c'est délicat. Non, c'est pas ça, c'est toujours délicat. Non, c'est ça. Ouais, non, je disais, c'est toujours délicat. Ouais, bah, il connaît, et après, le mec, il est là. Qu'est-ce qui est délicat? Non, je dis, c'est toujours délicat. J'adore, mais tout, mec, tout. J'adore. Dédicace à mon pote qui doit nous écouter, qui s'appelle Loris. Voilà, dédicace à Loris. Enchanté, Loris. Je savais pas que t'étais un vrai fan de Non, je suis vraiment un vrai fan. Et pour le coup, j'ai tout regardé, je connais tout par cœur. Et voilà, le fait d'avoir cette imitation-là, je pense que c'est la première fois que je vois ça en direct. Et. Ça fait quelque chose. Je ferme les yeux, j'y suis. Baptiste, cool. Il y est. Et je crois qu'il y a un autre invité où tu vas avoir l'impression d'être face à lui. C'est Stéphane Guillon. Alors Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane Guillon. Très heureux. Franchement, je vais essayer de revenir en spectacle, d'épousserer ces petits jeunes trous du cul. Ah, il est bien aussi. Et enfin, un petit dernier pour la route avant de présenter notre réel et notre vrai invité, Cyril Hanouna, qui est là. Ah, qui est mon patron. Alors, qui est le patron de Cynthia, plein de dynamisme. Et sans déconner. Hey, salut mes petites beautés, salut mes chats. Hey, Cynthia, je l'adore, elle est magnifique. Hey, franchement, hey, c'est une professionnelle, et rien que pour ça. On peut l'applaudir, mon chat. Et surtout, on peut applaudir très fort Jamel Gaibou. Ouais. Une voix que j'aime bien faire sur scène, et c'est Orelsan. Vas-y. Il est très bien. Salut, c'est Orelsan, fan de manga et tout. Ok, ma prof de maths m'a beaucoup aidé pendant les révisions. Ok, c'est cool. C'est exceptionnel. Attends, ouais, on n'a pas eu Fabrice Eboué que tu fais à merveille aussi, s'il te plaît. Ouais, salut, c'est Fabrice Eboué. Alors, moi, je vais dire un truc, tu vois. Moi, franchement, tu vois, la nouvelle génération d'humoristes, moi, je vais revenir en spectacle, je vais tous les péter, tu vois. Non, mais c'est sûr. Non, mais non, le beau, tu vois, c'est cool, quoi, tu vois. C'est énorme. Tu fais Jamel Debbouze ? Un peu. Attends, Jamel Debbouze. C'est extraordinaire, tu vois. Jamel Debbouze et Jamel Kibou, bien sûr, c'est la nouvelle génération d'imitateurs, tu vois. J'espère qu'il va faire le marquage. Voilà. Ah, yes. Bravo. Il est très très dur, Jamel, et on le reconnaît, quoi. Ah, il est très dur. Il est très technique, mec. Ouais. Tu penses qu'il pourrait être intéressant pour l'équipe de France? Bah, écoute, je sais pas, donc ça dépend de lui, donc Karim Kama. Benzema, donc voilà. Ouais, je pense que ça dépend du chèque, donc je pense qu'il a sa place à l'équipe de France, mais bon, ça dépend de toi, donc je pense qu'on peut s'arranger, donc. Ouais, non, je vais quand même continuer à faire jouer Olivier Giroud. Bon, c'est comme tu veux. Il a des stats affolantes. Allez, bah, bonne écoute, bah, au revoir, frérot. Ce qui est bien, c'est que là, dans le perso, on a le Zizou qui reste neutre, qui veut pas fâcher, qui reste très, oui, très poli, très élégant. Oh, caresse. Ça fait quoi d'être une fiotte? Tossette, Ellie, tu as fait des beaux, tu vois. Mais une fois qu'en carton, il est venu à TPMP, t'as parlé chinois. T'es une pute. J'ai une question pour Zinedine Zidane. Ah, c'est trop cool. Alors, moi, je suis célibataire en ce moment. Je sais, Zinedine, que tu as plusieurs fils, dont un que je trouve très mignon. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu penses que j'ai mes chances avec Lucas? Ouais, bonjour à tout le monde. C'est Zizou, donc bonjour Cynthia, j'espère que tu vas bien. Oui. C'est bien, non, ça c'est à mon début, donc mon fils, c'est lequel que tu aimes bien? Lucas, le plus grand. Ouais, alors Lucas, excuse-moi, mais en fait, il est célibataire, donc c'est une bonne chose, mais t'es pas son genre, donc... Au revoir. Oh, j'adore. C'est eu l'entretien de l'espoir pendant 10 secondes, et ensuite, bam, Zidane, il te claque, mais en parlant très calmement.